j'espère que vous allez bien. Je vous emmène aujourd'hui dans un petit vlog de la journée où on va faire une journée productive. Alors déjà ça commence mal puisque comme vous pouvez le voir il fait nuit. Il fait nuit alors qu'il est 9h. En gros, je vous explique. À la base, je voulais faire un vlog sur toute la semaine. J'avais commencé à filmer lundi et en fait mardi, j'ai tellement bossé que j'ai oublié de filmer. Mercredi, pareil. Donc en fait, j'étais en mode OK, bon bah mon vlog de la semaine, il va pas marcher. À la place, je me suis dit que j'allais faire ça sur une seule journée et vous montrer comment j'essaye de m'organiser sur une journée pour être la plus productive possible, parce que je vous avoue que ces derniers temps, j'ai un petit peu du mal à m'organiser, à être efficace et tout ça, je procrastine beaucoup. J'ai passé 10 minutes sur TikTok, j'ai mis mon téléphone loin parce que sinon je vais pas y arriver. Je me suis levée assez tôt ce matin, j'ai pris mon petit déj, je me suis habillée, coiffée, maquillée. Je trouve que c'est une première étape importante dans ma journée parce qu'en général quand je le fais pas, après je reste genre en pyjama et je sais pas, je suis pas dans un état d'esprit de travail, je suis plus dans un état d'esprit de détente. Je me suis mise dans mon salon, j'ai mon ordinateur, un petit carnet juste là parce que en ce moment j'aime bien mélanger les deux et je vais utiliser ma technique préférée qui est la technique pomodoro. C'est en fait vous faites 25 minutes de travail, 5 minutes de pause. En une heure vous avez 50 minutes de travail et 10 minutes de pause, mais c'est vraiment genre 50 minutes de travail où vous ne faites que ça, genre il n'y a pas de téléphone, pas de distraction, et je trouve que c'est la chose qui marche le mieux sur moi, d'avoir mon timer sous les yeux et de me dire ok donc là je suis à 25 minutes et finalement quand tu travailles 25 minutes ça passe très vite. Ce matin je vais travailler comme ça, je vais avancer sur un projet qui sort fin mars normalement. Ah oui, et je voulais vous dire aussi, quand je travaille, j'aime bien travailler en musique, pas tout le temps, mais quand je réfléchis, que j'écris mes idées et tout, j'aime bien avoir de la musique dans les oreilles et j'ai vraiment deux playlists qui sont hyper efficaces. La première, c'est la musique d'Animal Crossing. Genre vraiment, je vais sur YouTube, je tape musique Animal Crossing. Quand j'ai un peu envie de changer, je mets musique Animal Crossing avec un bruit de pluie en fond. Et le deuxième, c'est les playlists de Bridgerton. Voilà. Les chansons en version de musique classique, ça c'est ma cam, j'aime trop. Parce qu'il n'y a pas de paroles, il n'y a pas de truc pour te déconcentrer. Animal Crossing, Bridgerton, pépite. C'est la fin de mes 5 minutes de pause, on y retourne. Bon, j'ai changé de spot, je suis venue m'installer dans le bureau. Là je fais une petite pause goûter parce que je pars au yoga dans un peu plus d'une heure, un peu moins d'une heure. Donc là je vais me faire une dernière session de 40 minutes de travail à peu près. Et puis après j'ai rien préparé pour aller au yoga. Parce que du coup dans ma journée productive je ne fais pas que travailler, je veux aussi faire un peu de sport et bah, ça tombe bien, j'ai cours de yoga ce midi donc c'est parfait. Avant d'aller au sport, j'aime trop manger ces barres de céréales là, vous allez rien voir je pense que je viens de vous rire. Nature Valley, protéines, et je trouve qu'elle convient parce qu'elle cale bien et c'est parfait pour juste avant le sport. Commence à 12h30 donc il faut pas que je tarde. Ça fait très longtemps que je ne suis pas allée au yoga donc je pense que ça va être très difficile, mais il faut bien que je m'y remette parce que sinon je n'y arriverai plus. Je reviens du yoga, c'était hardcore. J'ai plus de bras mais ça fait du bien. Maintenant j'ai faim. Il est 15h, je me suis remise à travailler à 14h à peu près, mais je vous ai pas filmé parce que c'était relativement la même chose que ce matin. Et je vais continuer parce que je suis méga inspirée donc autant en profiter. Bon, on se retrouve, il est 17h30, j'ai décidé de faire une petite pause pour discuter un petit peu. Déjà, je suis avec une invitée de choix. Oh, ça ronronne. Je suis plutôt contente de ma journée, j'ai quand même réussi à bien avancer sur tout ce que j'avais prévu. Je vous parlerai un petit peu tout à l'heure de ce que j'étais en train de préparer. Mais je voulais vous parler un peu de tout ce truc de la productivité. La productivité c'est bien, mais je trouve qu'il ne faut pas être à la recherche de productivité genre tout le temps. Parce que c'est juste pas tenable. Et en fait il s'est passé quelque chose cette semaine dont je voulais parler. Depuis que je me suis lancée dans la création de contenu, j'ai énormément de mal à me mettre un cadre, à me mettre des horaires, à vraiment travailler de telle heure à telle heure. En plus de ça, si vous me suivez sur Instagram, vous savez peut-être que ces derniers mois j'ai un peu enchaîné les rhumes et les maladies en tout genre, et du coup ça m'a un peu pareil cassé dans mon rythme. À chaque fois que j'allais mieux, je repartais sur du contenu et puis je me retapais un rhume la semaine d'après. Donc comme la semaine dernière j'avais encore un petit souci de santé, je me suis dit bah ok, dès que c'est fini je me remets dedans, je me mets des horaires, je me fixe un rythme. Et je me suis dit en plus de ça, bah je vais filmer une semaine avec moi, comme ça bah j'aurai pas d'excuses. Lundi je commence et vraiment tout va bien. Mardi j'ai tellement bossé pour le coup que là j'ai pas du tout pensé à filmer. Donc en fait finalement c'était quand même un mal pour un bien. Mais j'étais en mode ok bah du coup pas cool ma vidéo, enfin elle va servir à rien. Et puis arrive la journée de mercredi. Déjà mercredi je me réveille tard. Et à ce moment là je suis genre un peu comme paralysée. Je n'arrive pas à bosser, je n'arrive pas à m'y mettre. Je scrolle sur mon téléphone, je fais des tâches ménagères qui n'ont pas forcément besoin d'être faites dans l'immédiat. Vraiment je trouve toutes les issues possibles pour ne pas me mettre derrière mon ordi. J'avais des trucs à faire en centre-ville l'après-midi et j'étais vraiment en mode je veux pas y aller. Je ne veux pas y aller, je me sens pas bien, je sais pas ce qui se passe, je ne sais même pas pourquoi. J'ai repoussé jusqu'au dernier moment et au final il fallait quand même que j'y aille, donc je me suis motivée et j'y suis allée et ça a été pas horrible mais vraiment j'étais pas bien. Une fois dans le centre-ville j'avais genre comme une boule dans le ventre de stress, d'anxiété etc. Je savais pas d'où ça venait et vraiment ça m'a duré jusqu'au soir finalement. J'ai pas su pourquoi ça s'est passé. Et en fait je pense que j'ai juste fait de l'anxiété cette journée là sans vraiment de raison apparente. Et du coup bah, j'ai grave culpabilisé parce que je me suis dit bah j'ai rien fait aujourd'hui, j'ai pas filmé la vidéo, donc les gens ils vont se dire bah sa semaine productive elle se fout un peu de notre tête quoi. Et au final jeudi matin, miracle de la vie, je me réveille grand ciel bleu et tout de suite ça m'a remis dans un mood un peu plus sympa. Donc je pense que au moins je sais maintenant que ça peut m'arriver. Le fait de m'être mis la pression a dû rajouter encore plus sur mon anxiété, alors que si je m'étais juste dit ok aujourd'hui ça va pas, je fais avec, que ça aurait été plus tranquille et je me serais moins sentie anxieuse. Je voulais juste vous faire ce retour un peu d'expérience en me disant peut-être que ça vous est déjà arrivé, mais je pense qu'il faut pas culpabiliser dans ces moments là parce que voilà, tant que ça reste ponctuel c'est pas très grave. Non mais attendez, je vais aller allumer la lumière parce que là on voit rien du tout hein. Assez parlé de mes conseils, je voulais vous parler vite fait de mon prochain projet sur lequel je bosse beaucoup et pour lequel j'ai noirci des pages de cahier ces derniers jours. Déjà, si vous êtes resté jusque là dans cette vidéo, eh ben merci beaucoup. C'est un peu votre récompense finalement d'être resté. C'est un projet qui va sortir principalement sur Instagram, mais ça va aussi aller sur TikTok et je pense faire des déclinaisons pour mettre en YouTube Short. C'est une série de vidéos qui va sortir le 21 mars et il y aura une vidéo par semaine. Je suis très excitée. J'ai cette idée en tête depuis le mois de janvier déjà, donc ça fait un moment que ça me trotte dans la tête et que ça bouillonne un peu, donc là j'ai trop hâte. J'espère vraiment que ça va vous plaire. Juste avant de vous laisser, je vais vous montrer le livre que je voulais lire là juste après. C'est Fais-toi confiance de Isabelle Filiosa. Comment être à l'aise avec soi-même et avec les autres. On en a bien besoin ici. J'avais commencé à lire mais je pense que c'est vraiment le genre de livre qu'il faut lire quand on est posé et que notre cerveau réfléchit. Parce que j'avais commencé à lire genre avant de dormir et généralement je m'endormais à chaque fois et j'arrivais à rien me souvenir. Ça va être le prolongement un peu de ma soirée productivité, lire un livre qui m'instruit. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ça vous aura un petit peu aidé dans votre productivité ou en tout cas juste ça vous aura diverti. Je m'excuse encore une fois pour cette lumière de fin de journée qui est ignoble. Je n'en peux plus, j'ai besoin qu'il fasse beau et qu'il fasse chaud. Mimi, tu viens me faire un bisou ? Oui. Bisous. Au revoir. Bye.